Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Oui, je suis en finale d'un nouveau concours de cuisine. Cette fois-ci, c'est pas les pâtes pain Master of Pasta, c'est terminé, mais c'est un concours de burgers. Ça s'appelle les burgers toqués. C'est organisé par le PPA, le Pôle Paris Animation d'une école de commerce sur Paris. Donc comment ça s'est passé? Le thème c'était la Coupe du Monde féminine de football. Il fallait représenter un pays et avoir un lien, pourquoi pas, avec le football. Le concours s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, c'était une sélection sur les photos et sur l'histoire un petit peu de notre burger, qu'est-ce qu'il représentait. Il y a eu 12 burgers qui ont été retenus et là c'était sur Facebook qu'il fallait voter. Et puis maintenant nous sommes 6 en finale. La finale se passe la semaine prochaine du côté de Paris. Nous aurons 45 minutes pour reproduire notre burger. Objectif, je vous le cache pas, être sur le podium. Mon burger, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, il s'appelle la revanche italienne. Alors pourquoi la revanche italienne, même si je suis bien sûr toujours supporter de l'équipe de France? J'ai choisi ce thème là, mais la Squadra Azzurra l'année dernière elle n'a même pas fait le mondial, donc j'ai décidé que l'équipe féminine allait venger un petit peu cette équipe d'Italie. Et pour ce faire, ils ont décidé que pendant la Coupe du Monde, bien sûr, énormément de supporters vont manger des burgers, mais on remplace le pain traditionnel par des galettes de spaghetti. Voilà l'idée de mon burger. Et ensuite on trouve les composants qui nous rappellent un maximum l'Italie et les bons burgers, c'est-à-dire ben, du basilic, du parmesan, je fais un petit ketchup maison, je rajoute un petit peu d'emmental, des tomates fraîches, du basilic frais, et avec tout ça, logiquement, on fait un très bon burger. Ce burger, c'est sûr qu'il est original, hein. C'est là-dessus que je vais insister le plus à Paris pour tenter de faire la différence. En attendant aujourd'hui, c'est la répétition générale. J'ai un journaliste de actu.fr qui arrive d'ici une heure pour tester mon burger. Alors, mais du coup, je me fais une petite répétition générale. Vous connaissez peut-être la recette, je l'avais déjà fait en vidéo, mais j'y ai bien sûr apporté quelques modifications. Ah oui, j'ai apporté surtout la mozzarella, j'avais oublié. Donc allez, je me fais une petite recette, je vous présente mes petits trucs, mes petites astuces. Et puis voilà, en route pour la finale, on y croit, objectif podium. Pour commencer, je fais mon ketchup maison. Alors je fais revenir un oignon dans une huile nette, sans trop le colorer, juste le faire un petit peu fondre. J'ajoute mon coulis de tomate, du mélange 4 épices, de la cassonade, environ 4 cuillères à soupe, alors vous savez, hein, moi je pèse pas, et après je corrige au feeling, du vinaigre, piment d'Espelette, de l'ail en poudre, puis maintenant on va laisser réduire et compoter environ 45 minutes, pour pas que ce soit ébullition, hein, sinon ça en met vraiment partout, mais juste à toute petite ébullition, toute petite bulle, c'est parfait, 45 minutes, 1 heure. Je vais bien sûr saler et poivrer, et je corrigerai l'assaisonnement à la fin. Petite particularité de ce burger, ce que j'essaie de faire, c'est qu'il soit très homogène en termes de taille et de proportion, c'est-à-dire que je fais tout dans cette emporte-pièce. Voilà, ça me sert pour faire le steak, pour me faire les pâtes, et j'essaie qu'il monte, voilà, comme ça, bien droit et de la même taille. Donc du coup, je vous montre comment je fais mes steaks. Les steaks, on va les farcir à la mozzarella, ça apporte du fondant, du goût, et ça rappelle l'Italie, hein. Dans mon emporte-pièce, eh bien, je commence par de la viande hachée. Ensuite, je viens mettre une petite galette, on va appeler ça comme ça, de mozzarella que j'enfonce légèrement. J'assaisonne et je viens recouvrir avec une deuxième partie de steak. Et là, je façonne pour qu'on ne se rende pas compte visuellement qu'il y a la mozzarella et qu'on le découvre à la dégustation. Et voilà, mon steak de bœuf assaisonné et farci à la mozzarella. Pendant que le ketchup compote tranquillement, voilà, à petites bulles, ça c'est parfait. Et c'est le plus long, hein, quasiment une heure pour que ça soit vraiment un bon ketchup. J'ai commencé à préparer ma préparation qui va me servir à faire mes galettes de spaghetti. Donc j'ai fait cuire des pâtes, des Barilla, bien sûr. J'ai stoppé la cuisson, je les ai refroidis à l'eau froide tout de suite. J'ai ajouté du basilic séché, du parmesan, du poivre 5B, de l'oignon séché, un œuf. Et maintenant, je vais pouvoir tout mélanger. Voilà, la préparation pour mes galettes de spaghetti est prête. Alors il n'y a pas vraiment de proportion miracle, hein. C'est au toucher, il faut que ça soit un petit peu collant bien sûr avec l'œuf. Là, ça me paraît vraiment pas mal, donc je vais pouvoir passer à la cuisson dans mon emporte-pièce. C'est parti pour la cuisson des galettes de spaghetti. Alors tout simplement, je les fais deux par deux dans deux emporte-pièces. Je dépose une bonne petite portion, une boule de spaghetti de préparation. Et puis on va faire cuire ça 3-4 minutes de chaque côté à feu doux. Faut pas non plus que ça grille, faut que ça cuise tranquillement. Faut pas que ça accroche. L'opération la plus délicate, j'ai retourné mes galettes de spaghetti à l'aide d'une spatule et pareil, je fais cuire 3-4 minutes de l'autre côté. Là, c'est exactement la couleur que je veux, voilà, légèrement gratinée, mais surtout pas cramée. Voilà mes deux galettes de spaghetti, là, elles sont prêtes, elles sont juste parfaites, hein. C'est exactement comme ça que je les veux, bien colorées. Alors là, c'est important, s'il y a des spaghettis qui dépassent et que c'est pas bien droit, là, de suite, tac, on vient les couper au couteau pour que ça fasse
vraiment des ronds bien lisses, des deux côtés, bien colorés. Juste après, je fais revenir deux petites tranches d'aubergine à feu doux. L'air de rien, on approche de la fin de la préparation de notre burger. Il nous reste à faire cuire notre steak, bien sûr, farci à la mozzarella. Et ensuite, on pourra directement passer au montage. Allez, vous êtes prêts? Montage du burger! Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, et j'espère bien sûr que ce pasta burger, la revanche italienne, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il me reste une petite semaine pour peaufiner ma recette. Alors n'hésitez pas, si vous avez des petits conseils, mettez-moi tout ça en commentaire. Bien sûr, j'essaierai de vous tourner une petite vidéo jeudi prochain de cette finale. J'espère vraiment terminer sur le podium, mais je pense que c'est possible. N'hésitez pas à suivre tout ça avec moi également sur mon Instagram. Le compte, c'est PaulDav. OLDAV. Vous retrouvez toutes les vidéos sur le site web www.lesapprentichefs.com. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et on se retrouve comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.